Salut à tous, aujourd'hui donc on est encore avec Sébastien. On voulait faire une review de combat ensemble, donc je vais lui laisser vous présenter le combat qu'il a choisi. Alors le combat que j'ai choisi, c'est un peu particulier. C'était ZST qui faisait des combats en équipe. Donc c'est deux adversaires contre deux autres. Ici, donc c'est deux Estoniens, Morkevicius et Starkus, qui vont affronter quelqu'un de très connu et bien évidemment Aleg Locker. Alors il y avait Yano et Imanari, que tout le monde connaît, l'Imanari Roll, tout ça, pour Imanari, Aleg Locker. spécialiste des clés de jambes. Exactement, il y a carrément l'Imanari Roll, donc cette technique. Donc voilà, ça va être un combat par équipe et vous allez voir, ça rend bien, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on se met ça. Donc, Imanari. Voilà, donc ça c'est les deux Estoniens. Donc Starkus qui est sur la gauche et c'est Morkevicius qui va commencer. On est dans un combat de MMA, bien sûr, MMA en équipe. Donc c'est pas les deux qui s'affrontent les deux en même temps, hein, bien sûr. Voilà, c'est un et en fait l'autre, il y aura un système de taper dans la main pour pouvoir faire rentrer son coéquipier en fait. Comme au catch. C'est ouais, c'est un peu ça en fait. Je crois que c'est catch attack ou un truc comme ça qui faisait ça. D'accord. Et je trouve ça excellent en MMA. Bah, Je crois qu'ils vont encore le faire. Des combats en équipe, ça se fait encore chez ZST, c'est le Japon quoi. Ouais, bah, c'est le show, quoi. Ouais. Ah voilà, c'est le show, c'est tout ce que j'aime quoi. J'avance un peu. Allez, c'est Voilà, parti. donc Imanari qui fait toujours un peu le show, ça me fait rire. Imanari avec le short noir, hein, Voilà, qui est il dos à fait son un peu. adversaire. Qui est une drôle d'attaque, on va dire. Il a même pas de gants là d'ailleurs. Alors je suis en train de me poser la question, effectivement, s'il a le droit de mettre des coups. Je me souviens plus bien, parce que ça date ce combat, c'est des combats qui ont largement plus de 10 ans, hein, si je me souviens bien. Donc. Et bien sûr, Imanari qui va directement s'en prendre dans les jambes de Morkevicius. Morkevicius qui était un combattant pur striker, qui a fait du K1, qui a fait. Voilà, c'était le roi du chaos. Et je pense même qu'il avait battu par KO le coéquipier d'Imanari, Yano, dans un combat. Ça date, hein, je sors bien à la mémoire. Hein, je fais appel à la mémoire là, pour avoir ça. Donc, et Morkevicius qui nous a malheureusement quittés en 2016, qui s'est fait assassiner. D'accord. Il a été assassiné, il laisse deux enfants, enfin voilà, ça m'a fait. J'aurais aimé le voir combattre plus. D'accord. C'était un bon combattant. Donc là, on voit Imanari, hein, qui a une belle demi-garde. Qui repousse la tête de. C'est quoi? C'est des Estoniens, c'est ça? Estonien, ouais. Estoniens. Donc ouais, j'ai plutôt l'impression que. L'Estonien a le droit de frapper, c'est vraiment le striker contre le grappleur et même dans les règles, j'ai J'ai l'impression. ouais, alors c'est. J'avais oublié ce détail, mais j'ai l'impression que c'est ça, effectivement. Donc voilà, il tape dans la main et c'est marrant Et quand je me même. suis complètement trompé, c'est pas Imanari du tout, en fait. C'est Imanari qui vient de rentrer là maintenant. C'était Yano. D'accord. Je les ai pas reconnus en fait. Mais Ok. là maintenant c'est Imanari et en face c'est Starkus. Je me suis complètement trompé sur le. Donc, Alors, il a le droit au coup quand même. Voilà. C'est ce qu'il me semblait. Il semblait bien qu'il donnait des coups quand okay. même. Ah bah, là, lui, direct. Direct, il fait pas dans le détail. Voilà. Il part Tête directement. talon. Parce que, voilà, il est direct été sauvé par le coéquipier parce que là, ça craignait vraiment. Ah, donc s'il attaquait une soumission, t'avais le droit de taper Voilà. et de sortir de la soumission. Il est resté dans son coin en fait. Il a tout de suite couru dans son coin D'accord. pour être aidé par son coéquipier. Donc on est vraiment Parce presque. que. Ouais, c'est vraiment les règles du catch. Voilà. Sauf que bah, c'est un vrai coup, de vraie soumission. Et là, bim, et Oh là même là. topo pour marquer. C'est une sensu ce Imanari. Enfin, moi j'adore ce combattant. Je suis peut-être un peu à l'ancienne, je suis peut-être un peu rétro. C'est old school, mais il combat Enfin, encore, sachez. ouais. Alors je le connais de ses clés de jambes, hein, de ses highlights, mais c'est jamais un combattant que j'ai regardé. Je le connais de par sa. Oh là, C'est quel impressionnant talent. la résistance. Regardez la résistance qu'il a, l'Estonien. Il a quand même dû, je pense, se faire mal à la jambe ce jour-là, vraiment. Parce que. Et du coup, il tape, mais l'autre Il tape. il peut Alors, l'autre, rester, il il est pas peut. obligé. Voilà, exactement. L'autre peut rester.
Et boum, direct. Il a... Alors voilà, du coup là, c'est Re-Yano qui est rentré. Alors, excusez-moi pour l'erreur tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Pas bien vu. Et là, c'est Yano. Et Yano, je crois que c'est déjà. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après. Mais en tout cas, je sais que Morkevicius avait mis un gros KO. Il n'avait pas, réussi à attraper les jambes de l'Estonien. Et c'est d'ailleurs lui qui domine encore. Ouais, là, il prend la montée au sol. Hein. Et donc, les Estoniens, c'est, à la base, c'est plus des strikers. Et les deux Japonais, c'est des Japonais, c'est ça ? C'est Japonais, tout à fait. Les deux Japonais, c'était vraiment des grappleurs. Et pourtant, l'Estonien, là, prend la montée. C'est un vaillant. C'était un vaillant. Il n'est plus là. Mais c'était vraiment un vaillant. Il n'avait pas peur, justement, là. Beaucoup de gens qui craignent, surtout les strikers, qui craignent énormément les leg lockers. Ouais. Donc, mon rêve aurait été de voir justement un Khabib Nurmagomedov contre un leg locker, parce que les leg lockers ont disparu de l'UFC, remarquez. Comptez le nombre de clubs de cheville qu'il y a à l'UFC, vous n'en aurez plus, ça n'existe plus. Donc c'est un jeu qui disparaît, c'est pour ça que là... Et pourtant redoutable à la mort. Ben voilà. Les clés de talon. C'est peut-être pour ça que ça a disparu. Hein. L'UFC prend pas de risques. Il y a pas longtemps, on avait Roussimar Palares. Voilà, exactement. Est-ce que c'est ça qui a fait que... Il s'est fait virer, d'ailleurs, parce que plusieurs fois, l'adversaire tapait et il lâchait pas la soumission. Roussimar Palares, pour moi, ne représente même pas les leg lockers par rapport à son comportement, il faut le savoir. C'est ça. Quand on part sur des leg locks, on sait ce qu'on fait. Et moi, j'estime qu'on doit respecter... Voilà. Et quand Victor, et il tient l'Estonien. Il tient vraiment, c'est impressionnant. Parce que ce combat m'a toujours, j'ai toujours du plaisir à le revoir. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais il lui tord carrément les orteils. Ah ouais, c'est vraiment. Il s'en prend carrément à ses orteils. Impressionnant. Allez, voilà, la vaillance quoi. C'est le genou. Un petit coup de poing dans le cul. Petite fessée au passage pour punir le leg locker. Une petite fessée, ça fait pas de mal. Tiens, prends ça. Donc, s'il y en a un qui tape, les deux ont perdu. Alors non, s'il y en a un qui tape, il en reste plus qu'un qui doit se farcir les deux tout seul. D'accord. Donc, c'est vraiment le choix à la japonaise, quoi. Voilà, que j'aime beaucoup et que pourquoi pas un jour, si personne ne me vole l'idée. OHBI. Voilà, moi j'aime les projets comme ça. Un jour, on fera peut-être une rétrospective de toutes les idées abandonnées. Ouais. Parce qu'il y a des tas d'idées folles comme ça pour l'HBI qui ont été malheureusement avortées. Tu as écrit un bouquin. Voilà, je vais faire un bouquin. Alors, c'est vrai que le leg locking, comme vous voyez là, ça peut vous paraître un peu longué. Oui, c'est vraiment pour les puristes, enfin ceux qui connaissent déjà bien le grappling. Là, peuvent se faire plaisir en regardant un combat comme ça. Quelqu'un qui n'est pas initié au grappling, voilà. Qui est vraiment novice, il risque de trouver ça en lui. Il va trouver ça dégueulasse. Donc, et je pense que là, l'interaction aussi des deux partenaires, enfin de votre partenaire, voilà, le fait que ça change, ça redonne une dynamique au combat. Et là, c'est Imanari du coup qui est rentré. Hein, non, je confonds plus. Il a commencé avec une belle pirouette quand il est rentré. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression. On a l'impression qu'ils ont le droit qu'au coup de pied ou. Ouais, ça doit être des règles à eux. Des règles que j'aime bien. Ça fait le show quoi. Ouais, c'est... Voilà. T'as envie juste de lui mettre un coup de pied au cul là. Puis c'est, voilà, exactement cette espèce de provocation. J'aime bien moi les mecs comme ça qui font le spectacle et qui provoquent un peu. Il y avait Jeff Glover aussi qui était combattant comme ça. Là. Il avait toujours des tenues hyper colorées. Il touche ses fesses, ouais. C'est ça. Ouais. C'est vraiment. Ça manque cruellement parce que tout est mal interprété maintenant et je pense qu'on va plus vers la vulgarité maintenant que. Que ce genre de petit jeu. Il est bien descendu. Il a pris un gros risque. Ouais. Il aurait pu prendre un genou là. Et bien rentré dans une guillotine, mais on a vu. Ouais. Il le sort carrément de la. Et ce regard, vous avez vu là, regard. De tueur comme ça. Alors je te sors quand je veux du ring. C'est une image un peu. Et c'est reparti. Allez hop, le cauchemar. Et là par contre, il est loin de son camp. Donc il va pas pouvoir se faire aider. Il a eu de la chance là. Carton jaune, il y avait des cartons jaunes. Il y a eu avoir un truc. D'accord.
Alors, il parle en japonais sur la vidéo, donc je ne comprends pas, bien évidemment. C'est pour ça aussi que les règles, c'est pas facile de les comprendre, parce que tout est écrit également en japonais. Si quelqu'un regarde la vidéo. Il y a le high kick qui est parti là, heureusement qu'il ne se l'est pas pris. Ou alors il se l'est pris, non, je crois pas. J'ai pas vu. Ça, je sais pas, lui gratter l'œil ou. Il est parti. Oui, fort, alors fort, ils peuvent des fois un peu en jouer hein, pour essayer de pousser à la faute. Peut jouer genre ah, il m'a touché l'œil, il m'a ceci, alors que c'est pas forcément vrai des fois. Oh et c'est reparti, et là ça doit être un cauchemar pour le pauvre. Ils doivent pas être vieux en plus hein. À mon avis ils sont plus jeunes que Et là Kim Rapi. Et là à mon avis, bah là, à mon là, avis. C'est terminé. Ouais. Là, il a vraiment fait mal, c'est terminé quand même. Magnifique. Et donc là, il en reste un. Il reste plus que Marquinhos qu'il va devoir du coup affronter. Mais magnifique Kimura de pied amené d'une main de maître. Hein. On voit qu'il est complètement chez lui. C'est tout à fait son jeu quoi. Là il était à l'aise, l'autre était trop loin de son équipier. C'était la mort assurée quoi, c'était fini. Oh là là. Eux ils s'amusent, hein. Ils font des cabrioles, ils ont pas de. Oui, je pense que c'est une sorte un peu de provocation aussi. Les Japonais aiment bien provoquer un peu de manière classe. C'est assez classe, c'est amusant. Et le public s'amuse. C'est ce qui manque d'ailleurs à l'UFC, ça, c'est un peu ce côté. Vous voyez, un peu ce phénomène. Et là, il repart. Il repart sur la jambe, encore une fois, de Marquinhos. S'il est pris, là, ça va être chaud. En tout cas, s'il gagne les deux combattants. Il aurait gagné dignement quoi parce que là avec le pied pris comme ça par un Imanari. J'ai même pas vu, il a tapé ? Non, il a pas tapé. Ah oui, ils se sont relevés et je pense qu'il va changer de. Il a réussi à se retirer. Et la garde en arrière. Oh ! Vous voyez ? Il veut vraiment des coups, il veut vraiment le mettre KO quoi. Je pense que ouais, ils sont un peu énervés là. Hein. Ils doivent sentir la provocation un petit peu. Oui. Eh, mais ils ont des high kicks, ça fait 2-3 fois là que. Heureusement que ça touche pas. C'est clair. Ils savent qu'ils vont. Ils chauffent des mecs de l'Est. Donc ils les provoquent et ils les poussent à la faute en fait. Et Markevicius, là, c'est une pile. C'est quelqu'un qui est. C'est quelqu'un de vénère quoi. En tous ses coups partent à 1000 à l'heure. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant. C'est un combattant qui est impressionnant. Il doit en avoir marre que l'autre lui tourne le dos. Déjà, il y a cette espèce juste de position. Envie de lui mettre un voilà. coup de pied dans le cul, quoi. Il a vraiment envie de. Ah ouais, non, mais là, il a envie de lui faire très mal. Il a vraiment envie de lui faire. Il est vaillant. Et le fait qu'il y arrive. Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il fait. Un petit coup de pied dans le cul. Mais ouais, ça doit les énerver encore plus. Alors là, qui est d'autant plus dur, vous vous rendez compte, on a vu Markevicius fatigué, mais il est seul, quoi. Il est seul contre deux. Mmh. Et boum, et dans un coup de pied, Imanari arrive encore à choper la clé de talon. Alors là, Markevicius. Si il passe. Ah non, il a glissé un peu. Kimura de pied. Il est seul face à. Il ne s'est pas tapé sur Prédateur, quoi. C'est terrible. Il défend quand même. Mais ouais, on peut saluer la résistance quand même. Aïe. Ça me fait des frissons. C'est bien. Si finalement c'est Imanari je pense qu'il y a eu les deux. Imanari a fait taper donc sur une espèce de clé de genou pour le deuxième et le premier une Kimura de pied. Super, magnifique. Yano a fait le spectacle mais Imanari a terminé le combattant. J'espère que ça vous a plu en tout cas, vous qui avez partagé ce combat avec nous. Ça nous a fait plaisir de faire ça. Merci à Seb de nous avoir présenté ce combat. Personnellement je connaissais pas du tout ce concept de 2 contre 2 à la japonaise. En tout cas, c'était top. Merci beaucoup, Seb. C'était parfait. Ah bah, super parfait. Alors, allez, on se dit à la prochaine. Merci à tous. À bientôt.